Et la fête continue car nous sommes à bord du Belay, mais avec Charles qui est lieutenant à bord du Belay. Mais ce beau bateau, il a une histoire ce bateau. Oui, bonjour à tous. Bah, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, du coup c'était un navire marchand à la base. Donc, qui était construit en 1896, c'est pas une reconstitution, c'est le navire d'origine. Et donc voilà, nous on continue à le faire naviguer, on est tous passionnés de voile, donc l'objectif c'est de partager la navigation à la voile sur ce grand voilier, avec à phare carré, et avec des stagiaires, donc en fait n'importe qui peut venir à bord, et le but c'est de les inclure à l'équipage, qu'ils fassent partie de l'équipage à la fin. Ouais, c'est une belle expérience de partage. C'est un navire école ? C'est un navire école, ouais, en quelque sorte. Ouais. C'est vraiment des stagiaires qu'on accueille à bord. Il n'y a pas de formation certifiante. Mais voilà, c'est plus par passion de ce genre de navire et voilà, faire de la voile ensemble sur ce genre de canotte. On a vu son arrivée il y a 2 jours, majestueuse. Et puis après l'arrivée sur Marseille, c'est quand même... c'est une star. Ouais, ça a été un peu surmédiatisé. Et donc ouais, maintenant, c'est vrai qu'il commence à être bien connu, mais c'est vrai que c'est un super beau bateau et voilà, c'est une chance aussi pour nous, on a conscience de naviguer dessus, parce que voilà, il a 128 ans maintenant, là. Donc c'est quelque chose qui nous dépasse tous, quoi. Eh bien écoutez, merci Charles, et puis bravo. Merci. À bientôt. Bisous. Aimons-nous tous.